わからねえな。なんでこんな面倒な真似をしてまで俺と差しになりたかったのか。理由は一つ。あんたが他の二人に助けを求めたら面倒でしょ。はあ、ますます意味わかんねえ。バカだね。私のが強いっつってんだわよ。おっ、の野郎。うっ、軽いね攻撃が。おめえには俺は倒せねえよ。手加減しねえぞ。恨むなよ。先に言われちゃったわね。もう思い出に一発撃たせてやることにしているの。元に戻るとうまく手加減できなくて、相手殺しちゃうから。おや、生きてたか。大したもんだ。それほどの強さが、なぜか。理由は二つ。切り札は隠すもんだろう。そして何より元の姿が嫌だから。たくごついたらありゃしない。あんたもそう思うだろう、うん、聞いてないか。Salut à tous les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Comme vous avez pu le voir dans la miniature, aujourd'hui on va parler de Ravin Biscuit. Vous pouvez le voir, j'ai investi énormément d'énergie les amis pour ce personnage là, alors que j'ai pas forcément des très bonnes cartes hein, sur elle. Il m'a fallu faire pas mal de concessions, dont l'accuracy, hein, où je manque très cruellement d'accuracy sur ce personnage là. Mais il m'a fallu vraiment la rendre tanky pour pouvoir survivre. Alors aujourd'hui on est parti pour Machi 17. Avec ce personnage là, vous allez facilement passer Machi 17 avec voilà, ce type de runage. Alors on a maximisé ses HP, sa défense. Ici aussi on a deux cartes HP avec de la speed hein, pour avoir quand même un petit bonus. Voilà, elle passera pas devant Pariston, mais avec le cycle etc et les deux boosts ATB, Pariston profitera de son Thunder de temps en temps. Voilà, on lui met un petit peu d'effet résiste hein, même si c'est pas indispensable, mais il y a 10% d'HP dessus pardon, donc c'est intéressant. Et le 6% de mort rage aussi. Voilà, sinon il y a quand même pas mal de cartes un peu useless hein, 9% de block rate pourquoi pas, mais juste cette sub ça pique un peu. Voilà, donc elle a 500 000 d'HP, 1,5 million, elle a presque 600, elle a plus de 600 de 6000 pardon de défense, et voilà, en accuracy on a que plus 23% malheureusement. Mais si je la rendais pas assez tanky, elle survivait pas. Alors voici la composition qu'on va utiliser. J'ai mis Finks, mais on aurait pu utiliser Hisoka ou quelqu'un d'autre. Là l'avantage de Finks, c'est qu'il va pouvoir taper le boss aussi en même temps. Hop, on a mis au-dessus de Pariston, on a mis je vais y arriver, Peufeu. C'est très important de le mettre, en tout cas pour moi, parce que ma Ravine Biscuit n'est pas assez tanky hein, pour tanker tous les mobs de la première vague. Voilà, fini de parler, on va lancer tout de suite le run. Donc là, très classique, hein, faut savoir que la vague, elle va tout le temps se passer comme ça, d'accord ? Il n'y aura pas de surprise. Hop, je remets le micro comme il faut. Donc on impose le bleed, hein, le scarabée qui prend extrêmement cher. Ici, on va se prendre un peu d'attaque. Hein. Ça pique un peu. Aïe, aïe. Et là, vous allez voir, il faut absolument que Peufeu cancel. Voilà. Si ici, Peufeu ne mettait pas son shield, ma Ravine Biscuit mourrait. Regardez bien les dégâts du personnage en troisième position. Boum, boum. Voilà. Et là, ce aurait été la mort de Maravine. Vous voyez, hein, c'est vraiment millimétré. Ça, c'est tout le temps comme ça. Vraiment, c'est tout le temps comme ça. Il lui reste un pixel d'HP. C'est millimétré, les gars. C'est millimétré. On prend assez cher. Ici, on met quand même Komugi, pourquoi pas. Même si j'aurais peut-être dû la mettre sur Kaluto, hein, histoire d'interchanger. Parce que le problème, c'est que Komugi, elle va réduire les soins overtime à 1. D'accord, donc c'est puissant. Sauf que si Ravine Biscuit utilise son anti-soin, elle va réduire les soins directs. Mais l'autre va écraser l'autre, vous voyez.
Donc c'est pour ça que c'est pas très intelligent de ma part de l'avoir mis au-dessus de ma ravine biscuit. Je vais les interchanger plus tard, voilà. Pour qu'il y ait plus souvent de debuffs anti-heal, tout simplement. Il nous reste 24 secondes pour finir, et 24 secondes c'est énorme, hein. Donc pas de soucis de ce côté-là. Hop. Et là, on faudra juste tuer nos Mulligals le plus vite possible. Donc, votre Pariston, il va lui falloir quand même un minimum d'attaque. Hein. Je dirais 16 000, hein, 15-16 000 à peu près pour vraiment lui mettre la misère. Ici, on va juste le faire jump avec notre ami Fétan. Donc, il aura pas le temps de jouer. Hop. Avec Pariston, on lui inflige ça. Et Puffu va cancel les dégâts, tout simplement. Donc il se peut sur certains runs que Pariston le tue instantanément avant que le boss joue. Si le break vitesse passe très très vite en début de combat grâce à Kaluto. Mais généralement il n'y a aucun wipe en fait avec cette team. Sauf si vous prenez une suite de critiques des mobs de la première vague. Ce qui n'arrive pratiquement jamais, hein, ils n'ont pas beaucoup de critiques. Et puis voilà, on est dans un cercle vertueux avec Pito et Kaluto. Pito va mettre le bonus vitesse, hein. Vous voyez bien, elle a assez de speed pour passer à 9 secondes hein, après avoir utilisé un active skill, et derrière Kaluto va réduire de 2 voire 3 secondes le CD de Pito, donc on est en permanence en immunité. Donc les deux premiers mobs d'en face, hein, que ce soit Franklin ou Boomer, ne feront jamais de dégâts en fait en soi. Alors par contre, Franklin lui va pouvoir nous mettre des dégâts plus tard sur les étages supérieurs, sans même passer par son poison, il va infliger sacrément des dégâts directs en fait, tout simplement. Voilà, vous voyez, les deux debuffs de heal se sont superposés, j'ai pas réduit le soin direct, par contre le soin en continu, vous le voyez, il est à 1, grâce à Komugi. Donc va vraiment falloir que je les interchange avec Fétan et Komugi. Histoire que j'ai voilà, sur une plus longue durée sans qu'ils s'annulent l'un et l'autre. Et puis voilà, tout simplement. Donc très très content, je pense pouvoir monter maintenant grâce avec Ravine Biscuit les étages supérieurs, il va juste falloir un peu plus tanky, etc., etc. Alors je regarde vite fait les subs. 12% de défense, c'est pas mal. Après, le crit rate est... Non, elle est dégueu. Je vais pas perdre mon temps avec ce genre de card. Donc je vais juste vous montrer vite fait un peu l'avancée sur le compte free-to-play voilà, des donjons. Ici, on est au 19 hein, maintenant sur le compte free-to-play, les amis. Hein. Ça va assez vite quand même. Hein. Puis, alors je vais vous montrer la composition que j'utilise. C'est celle-ci. Tout simplement, comme sur mon main compte au début. Ça marche très très bien. Ici sur Machi, vous avez vu la team. Et ici sur Cortopi, j'ai un peu plus du mal. Je vais pas vous mentir, j'ai un peu plus de mal. Il va falloir que je réfléchisse à une meilleure composition et changer quelques cartes. Voilà, tout simplement. Et puis là, j'ai pas besoin encore. J'ai pas eu l'occasion de faire des breakthroughs sur mes cartes. Alors, oh, on a un nouveau. Alors, on a Razor et Thunder Kilo avec son item collection et 10 billes. Thunder Kilo. Oh mon dieu, j'ai envie de craquer. J'ai envie de craquer. Non, faut vraiment pas que je le fasse. Et vous voyez, l'avantage de Thunder Kilo, même si vous l'avez pas Awaken, son avantage à Thunder Kilo, c'est que vous allez pouvoir profiter de son skill qui va réduire les max HP direct sur les dégâts. Donc en soi, on passe à 7,9 d'HP max de la cible perdue. Et son craft est carrément chiant. Faut deux classes S. Faut le passer 6 étoiles. Faut l'Awaken 3. Faut l'Awaken 2, un personnage A. Et monter un B 5 étoiles en Awaken 3. Oh là là, j'ai envie de le faire, les amis. Bon, je vais réfléchir en off. Et si vous voyez une vidéo invocation, bah c'est que j'aurais craqué, hein, tout simplement.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu sur Avin Biscuit. Le petit pouce bleu comme d'habitude. On va essayer de focus un peu des personnages comme ça. Je commence à en avoir pas mal dans ma box, hein, que ce soit Boomer. Boomer, je suis sûr que ça intéresse tout le monde. Voilà, je vais essayer de le monter et tout. J'ai peut-être son item collection en plus qui traîne. Donc, soit sur mon main compte, c'est sûr que j'ai son item collection. Et sinon, on verra s'il sera sur le compte free to play. De toute façon, sur mon main compte, alors est-ce que j'ai... Oui, yes. On va sortir d'ici. Je vais juste vous montrer rapidement. Voilà, donc j'ai commencé à monter quand même pas mal de personnages, hein. Ils sont tous à peu près en gold cadre. Et là du coup je passe au niveau supérieur ici, là où vous le voyez sur Pariston. Donc je cherchais encore des personnages à monter, j'avais pensé à Melody, hein, sur le prochain, mais finalement pourquoi pas monter Boomer ici, hein, qui est ici. Voilà, et par contre j'aurai pas son Awakening, hein, ça c'est une certitude, j'ai trop de personnages encore à monter. Voilà, je réfléchis pour les prochains Awakening après Nanika. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis je vous dis à la prochaine, si la prochaine c'est une vidéo invocation, on croisera les doigts, j'attends de vos retours. Vous allez invoquer ou pas pour Thunder Killua? En plus il est pas cher, hein, il est 20 bières de moins. Ils ont vrai, enfin je sais pas quel test ils font, mais c'est sympa. Maintenant c'est vrai qu'on n'a pas non plus les 10 beers sur les paliers précédents. On nous le redonne que au palier maximum. Vous voyez, je suis à 118, hein, donc certitude de l'avoir. Et puis avec son item collection, c'est vrai que c'est... Ça donne envie, les amis, hein, ça donne vachement envie, ne serait-ce que pour avancer sur Uvogin, hein. Tout simplement, là j'ai Thunder Killua, je suis sûr que je passe le 19. Hein. C'est une certitude, je récupère 300 gems. Mais maintenant, est-ce que ça vaut le coup juste pour Uvogin? Je m'accélère le run à l'étage 15, ça c'est une certitude, mais je suis quand même assez rapide. Hein. Il va pas me servir en plus dans beaucoup d'endroits, peut-être dans le Dragon's Camp ou à la Even Arena maintenant, parce que les mobs commencent à être vachement tanky et le poison ne fait plus effet. Bon, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Ciao!